Salut, c'est Titoff sur Énergie. Rien pas changé, je vais à qui pousser net. Et moi, je suis toujours dans le bloc Saméo. Un artiste qui vient de Martinique, qui a grandi à Montcalbas. Et voilà, qui est vrai de vrai, je pense. Découpe la casquette, mets-toi sous le texte. Ben, du début, au départ, ça vient de Titeuf, la BD. Après, bon, c'est parti sous plein de choses. On m'appelait Tuff. Bon, quand j'ai commencé à chanter, j'ai rajouté un deuxième I. Parce qu'il y a un comédien, je crois, Titeuf, avec un seul I. Puis voilà, de fil en aiguille, voilà, Titeuf. Mais ça vient de Titeuf, parce que j'ai une mèche. Jeune. Ah ouais. Ouais. C'est que maintenant c'est toi qui gère, c'est pas trop long. Bon, déjà c'est chez moi, et puis c'est une mentalité pour moi. Ouais, c'est une mentalité de guerrier. On lâche rien, on reste solide, comme on dit toujours, solide. C'est ça, ouais, c'est une mentalité. Tout le monde a un peu d'espoir en soi, je pense. Faut le trouver. Ancien, tu touches à ton sec, que c'est que tu amènes. Angel. Ouais. Pardon, pas de jugement. Ouais, au calme, ou bien Cassav. Ouais, sous la douche, ouais, Kassav. Ouais, non, plus Kassav quand même qu'un Angel. Angel, c'est ainsi, c'est juste cet ainsi, j'essaie d'être divertir. Mais ouais, beaucoup Kassav. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura forcément un son de Kassav qui va passer, soit pour que je me brosse les dents, soit pour que je me douche. Ok. Ouais, c'est sûr. Et quel son tout, hein, j'ai pas de préférence, hein, en vrai. Les plus connus. Mais j'ai pas de préférence, ça va passer aléatoirement. Et puis... Mais c'est sûr que ce sera là. C'est dans ma playlist top. Top. Donc. Top du top, je l'ai appelé. Donc... Si demain j'investis, combien je récupère? Ben oui, parce que sans là, oui, ça aurait pas été Titeuf, je pense. Ben ouais. Après, je la vis, moi, je chante ce que je vis, donc c'est obligé d'être là, d'être présent dans mes textes. Et voilà, de toute façon, je pense que c'est ce qui fait que je suis qui je suis, tu vois. Tu me vois comme un autiste, mais demain je serai toujours dans le bloc sa mère. Franchement, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois. Franchement, tu vois, ouais. J'ai dit, tu vois, ça sort tout seul en fait. De fou. Je découpe la casquette, mets-toi sous le tech-tech, maintenant c'est toi. C'est devenu par rapport à mon directeur artistique et qui m'a fait comprendre aussi que bon, c'est ce que les gens aiment aussi, tu vois. Ils aiment être proches, ressentir un sentiment qu'eux-mêmes ils ressentent des fois, tu vois. Donc moi-même, dans mes textes, je suis mélancolique. Donc, on essaye de toucher la sensibilité qu'il faut. Il y a des sons qui sont plus sensibles que d'autres. Et voilà. Mais quand je le fais, j'essaie de bien le faire. Donc oui, pour moi, c'est essentiel quand même, sur certains sons. Comment dire, je pourrais dire un label, entre-temps, qui essaye de promouvoir ça. Tu as vu MCG en métropole et tu peux remarquer que c'est là aussi que j'ai appris à développer cette sensibilité-là au niveau musical, cette écoute musicale, tu vois. Et... On peut remarquer que beaucoup d'artistes qui passent là, t'as vu, il y a ce côté sensibilité du trap justement. Tu vois, c'est pourtant c'est très trap, les artistes qui sont là, c'est trap, t'as vu. Mais tu vois que quand ils sont là, il y a toujours un petit côté où, tu vois, je pense qu'ils font partie de cette évolution-là, donc c'est bon. Et mon directeur artistique, ben, c'est MCG. Donc, sensibilité plus, tu vois, on gère ça. C'est pas trop l'ancien. Alors, ces temps-ci, Reine du Sud, il y a la dernière saison qui est sortie. Et puis ce temps-ci, c'est ce que je regarde. Ouais, la dernière saison de Reine du Sud. Le football, d'entrée. Real Madrid, Marseille. Et oui, le football. Ah ouais. Toujours. Ah ouais, à fond. Ce temps-ci, j'avais arrêté un peu, confinement, tout ça. Les Five étaient fermés en France, tout ça. Mais là, ça a réouvert juste avant que je descende. J'y étais, tout ça. Le feu. J'ai pas perdu. Travaille pour mes dieux, dis-moi à quoi ça sert. Ben écoute, facile, hein. Il m'a appelé. Enfin, un frérot m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a Kalash qui essaie de te check, je lui donne ton numéro, je lui ai dit ok. Il m'a appelé, il m'a proposé le son, il m'a dit ouais, il y a un truc là, je te vois dessus, tout ça. Il m'a envoyé, j'ai trouvé super lourd. J'ai vu que dernièrement par rapport au confinement, j'ai fait un petit home studio à la maison. J'ai posé un petit truc, j'ai posé franchement dessus, tu vois. Et. Il a kiffé. Du coup, après, je suis monté à Paris, j'ai posé dans son studio. Et puis, je crois, peut-être le lendemain ou deux jours après, on a clippé. Ah
Ouais, ça a été vite. En plus, je suis même pas resté longtemps à Paris. Ça a été super vite. Ah ouais. Ouais, franchement, on a kiffé. Jusqu'à présent, je kiffe le son, donc c'est lourd. Dis-moi combien j'investis, combien je. Ben, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais la plupart, enfin, toutes mes collabs, ça a toujours été ça. Si c'est pour moi, ben, par exemple, l'artiste que j'invite, il va me dire, ouais, j'ai fait ça, tu vois, façon, sauf si on est au studio, mais même quand on est au studio, tu vois, on se dit, enfin, mes collabs, le plus souvent, c'est comme ça, alors t'aimes, oui, t'aimes bien, ok, ouais, lourd, non, 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 moi j'ai écrit ça, tu fais bon, parle de quoi, tu vois, donc en vrai, je pense que t'es dans une collab, tu vas toujours un peu kiffer ce que l'artiste que t'as invité, et l'artiste invité, il va toujours chercher à faire un truc qui va plaire à l'autre artiste qui l'a invité, tu vois. Donc en vrai, c'est une entente commune, donc bon, oui. La musique. Ouais. Franchement, partout, peu importe ce que je vais faire, j'écoutais de la musique. En venant, j'écoutais de la musique. Avant de venir, j'écoutais de la musique. Hier, j'écoutais. Tout le temps, avant de dormir, on écoutait de la musique. Tout le temps, la musique. La musique. Et si je pouvais mon micro? Bon, lui, c'est pas tout le temps possible. Mais cette fois-ci, je suis descendu avec là. Précaution. Combien l'argent m'a fait? Je sais pas, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou bien trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. T'es à pas passer, faut qu'il passe après, mon vrai colis. Ouais, pourquoi pas? Si j'arrive à bien manier le reggae, ouais. Pourquoi pas? Ah ouais, de fou. Eh ben, dis-toi que j'ai déjà posé hein, tout ça. J'ai déjà posé, c'est que je sais jamais sorti. Je m'ennuie. Moi, je fais tout. Je m'ennuie. Je pose tout n'importe quoi. Quand je suis inspiré, je me dis, ah, pourquoi je ferais pas ça? Y a rien. J'essaye. Après, le reggae, je kiffe beaucoup. Donc, je pense que c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y aura un son reggae qui sortira, je pense. Un jour ou l'autre. Zouk, je suis pas trop sûr. Parce que même si j'ai posé, j'ai vu que c'était pas trop mon truc, tu vois. Je l'ai fait, ok, c'était bien, ok, je me suis amusé pendant un petit moment, mais j'ai vu que c'est pas forcément mon truc, tu vois. Il passe, il belle. Net. Ouais. Ou quand... Franchement, rien. Fais la même. Fais la même, en vrai. Parce que si on change les choses, ce serait pas ça. C'est-à-dire que c'est mes galères, c'est mes défaites qui m'ont fait devenir ce que je suis. Donc, si je dis au titeuf plus jeune, ouais, je fais pas ça parce que lui c'est un fou, ou bien, non, ben, il va pas comprendre que ben, par rapport à au fait que Messi est fou, ben, t'as perdu ça, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Donc en fait, les gens qui ont ce style de caractère ou qui réagissent comme ça, ben, c'est peut-être des fous, ou bien, tu vois. Rien. Je dis juste merci Seigneur. Ah, peut-être écoute plus ta maman. Ouais. Quand même, elle a toujours dit, c'est le langue cabrit. C'est incroyable. Donc, oui, maman, écoute plus ta maman. Et tout le monde, écoutez vos mamans, franchement. Et qui fait peur, c'est dans mon eBay. La chose la plus chère que j'ai achetée, moto, je pense. Ouais. C'est vrai, j'aime la moto, c'est vrai. Alors là, je vais te dire ça. Comment c'est payé, moi, c'est pas. La tête de banane jaune de ma maman. Je préfère petite truc cuistot, tu vois. Genre, je préfère les bananes coupées, t'as vu. Quand c'est haché, tout ça. Ouais. Mais qui l'a payé, moi, ni deux, trois filles poussées. Dans le bloc. Toujours dans le bloc parce que ben, c'est celui-là parce que pour moi c'est celui-là jusqu'à maintenant quand on me voit qu'en France ou ici c'est ouais je suis toujours dans le bloc tu vois sa mère donc dans le bloc carré dans le bloc et puis de toute façon rien que le son lui-même tu vois après comme papa je le kiffe hein, je le kiffe mais c'est très personnel tu vois c'est juste que toujours dans le bloc ça va élargir le public ça m'a permis d'ailleurs d'élargir le public donc toujours dans le bloc net. Est-ce que j'ai prévu de sortir un autre projet? Oui. Avant la fin d'année, je sais pas. Début d'année prochaine, c'est sûr. Non, surprise, surprise. Pour le moment, non. Franchement, là, j'ai pas encore de titre. Je travaille dessus, ça vient petit à petit, mais pour le moment, non, pas de titre. Le bon contact est gérant pour nous faire le point. Oui. Ah, ça non, par contre. Mais je peux dire, confirmer que oui, il y aura des surprises. Oui, il y aura. Par contre, je peux pas dévoiler mes tons. Sinon, après, il y aura plus de magie. Quadriller ça qui maniait. Nous carrivons ça qui maniait. Énergie ça qui maniait. Ou pas attendre, en vrai, seul.